Bonjour, je m'appelle Gilles Paris. Je viens de publier un recueil de nouvelles qui s'appelle « La lumière est à moi » chez Gallimard dans la collection « Haute enfance ». C'est un recueil de 19 nouvelles et avant de raconter le livre en lui-même, je voudrais expliquer un peu la différence entre la nouvelle et le roman. C'est très important parce que dans un roman, on a le temps d'installer ses personnages, le décor, l'histoire. Dans la nouvelle, pas du tout. Il faut happer le lecteur dès le premier paragraphe, presque dès l'incipit, la première phrase en effet du texte. Et donc c'est une sorte de concentré en fait, en quelque sorte de roman. Et c'est 19 histoires très fortes. Je pars du principe que en fait, tout ce qu'on a vécu enfant ou adolescent nous prédétermine une fois qu'on devient adulte. Et donc j'ai recherché à travers des adultes, à travers des enfants, à travers des adolescents, des moments phares, des moments très importants de cette enfance et de cette adolescence, souvent marqués par le drame, mais ce n'est pas le drame qui m'intéresse. Comme dans la vie, ce n'est pas les épreuves, c'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire, au fond, comment ces personnages qui ont traversé des heures sombres vont en fait vers la lumière, parce qu'ils réussissent, au fond, à ingérer et à comprendre ce qui leur est arrivé. C'est des histoires qui se passent à la fois en France, qui se passe en Italie, qui se passe dans les îles éoliennes, qui se passe aux États-Unis, en Suisse. J'ai voulu montrer l'universalité, au fond, de ce qu'est l'émotion, au sens propre du terme. On a la chance de vivre dans un pays latin. On s'exprime un peu sur ses sentiments, contrairement aux pays slaves, par exemple. Et je voulais qu'il y ait cette émotion très présente, au fond, dans chacun de ces personnages. C'est des histoires qui pourrait tout à fait ensuite faire un roman. Je rappelle que mes deux premiers romans, Papa et maman sont morts, ainsi que Autobiographie d'une courgette, sont issus tous deux de nouvelles que j'avais écrites vers l'âge de 14-15 ans. Et je pense qu'en écrivant des nouvelles, je prépare aussi quelque part un matériau important pour deux romans futurs, car je construis mes nouvelles comme de véritables histoires extrêmement romanesques, où les personnages se sentent vivants. Vivant, ça veut dire quoi? En fait, parfois, dans la vie, au quotidien, on a le sentiment de se répéter, on a le sentiment que la vie est monotone d'une certaine manière, et puis il suffit qu'on rencontre quelqu'un, ou il suffit qu'il se passe quelque chose d'important, et tout d'un coup, le cœur se met à battre et on se sent vraiment vivant. C'est-à-dire qu'on a ce sentiment de vivre à travers ce que l'on vit et à travers les gens qu'on rencontre. Et c'est ce qui se passe un peu dans ces 19 récits, ces 19 nouvelles qui sont donc publiées dans la collection Haute enfance, qui est une très jolie collection que dirige Colline Fort-Poiret, mon éditrice, dans laquelle on trouve des auteurs comme Patrick Chamoiseau ou même Visconti, donc je me trouve plutôt bien entouré. Alors, il faut dire que je n'ai pas, dans ce recueil de nouvelles, de rapport différent entre les personnages d'une nouvelle simplement ou d'un roman, puisque ces personnages vont se retrouver pour la plupart dans mon prochain roman. On les retrouvera 5 à 10 ans après, au fond finalement, et on découvrira ce qu'ils sont devenus. Parce que j'avais beaucoup de mal à les abandonner, en fait. J'écris vite, j'ai toujours écrit vite, mais je travaille très lentement. J'ai mis beaucoup de temps à parfaire ces nouvelles. Je voulais qu'elles soient... je suis très à la fois excessif et surtout, j'ai vraiment besoin du détail juste, de la virgule près, du mot près. Je retravaille vraiment énormément mes textes, c'est important pour moi. Et en même temps, j'ai l'impression, pendant le temps d'écriture et le temps de travail, de vivre une histoire forte avec ces personnages. Au fond, je leur donne de la chair, je leur donne du sang, je leur donne de l'épaisseur, je leur donne des os. Alors que c'est des personnages de papier qu'on invente, on s'inspire de gens qui vous entourent, on s'inspire de choses qu'on a entendues, mais l'idée c'est quand même d'en faire de véritables personnages auxquels les lecteurs peuvent s'identifier, hommes ou femmes.